Voici Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Dans notre série de la télévision au service de l'histoire de France, voici l'impossible rencontre du général Bonaparte et de l'empereur Napoléon Ier. Place à l'histoire. Dites-moi, militaire, regardez-moi dans l'œil. Lequel? L'autre. Quelle autorité? J'ai l'impression que je vous connais, vous. Vous me rappelez quelqu'un? Je vais vous rencontrer quelque part, attendez que je cherche. Vous me rappelez un cognac? C'est pour vous qu'auriez pris la Bastille. Hélas, quelle publicité. Ah, c'est pas... J'étais long, ça, c'est pas... Attendez. Vous n'étiez pas à Toulon en 89, 90, par là? 93. Non, c'est pas ça. Je siégeais, j'étais en rade. On s'était radiné avec des copines, il avait... Oh, attendez, 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 laissez-moi vous regarder. Vous ne seriez pas corse? Si. Si? Ajaccio. Ah, bah j'ai de la famille là-bas, moi. Mais alors, vous connaissez les Tino Rossi? Oui, les Moro. Les Giaferi. Les Lucchesi, tout ça, tout ça, tout ça. Et maman, ça va? Ça va, ça va, ça va, et Lucien? Ça pousse, ça pousse, ah, ça pousse, bon. Ça pousse, ça pousse. Dites-moi, vous voyagez en ce moment? Je viens de faire l'Égypte. Vous êtes allé au Sphinx là-bas. Hey, on rigole, on rigole, on rigole. Sacré chameau, va. Eh ben dites donc. Dans l'Égypte. Oh, à propos de l'Égypte, j'ai lu dans les potins de la Gomère que vous auriez dit du haut de ces... J'ai rien dit. Attendez, du haut de ces... Ah, ces machins pointus, là. Il y a une rue à Paris qui a ce nom-là. Tolbiac. Ah, pyramide. Ah, les volumes coniques à base polygonale. Ah bon, vous appelez ça comme ça? À base polygonale. Ah bon, et bien dur de ces... À base polygonale. C'est à base polygonale. C'est ça, oui, 40 siècles vous contemple. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Non. On chantait monte là-dessus, tu verras mon martre. Mais j'ai jamais dit ça. Mais alors dites-moi... Ce serait des inventions de journalistes. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher, vous savez? Ah, vous savez qu'ils inventent. Ah, oui, mais il ferait du tort au monde. Ah oui, déjà qu'on n'a pas eu de saison. On a eu un été pourri, vous mais savez. Oui, mais oui, oui. Mais on n'avait pas eu de printemps. Ah. Et cet hiver, je ne savais pas comment m'habiller. Ah oui, ah, oui, ah, vraiment. Oui. Ah oh ben j'aime bien causer avec vous parce que vous raisonnez sainement, ah, c'est vrai. Il y en a qui vous diront oui, 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 oui. Eh ben non, on en entend des fois à la radio, vous ah, savez. C'est quelque chose. Ils causent pour ne rien ah, dire. Que ah, c'est bête, oui. C'est je voudrais pas citer des ah, noms. Non, non. Ah, ah. Eh ben dites donc. Ah. Vous savez, on leur en donne long comme ça et ils en prennent ah, ça. Oui, ah oui, ah oui. On n'est pas secondés. Ah, ben j'aime bien causer avec vous. Et qu'est-ce qui en pâtit? Ben c'est la jeunesse, puis il n'y a plus de jeunesse. Et puis ils savent plus s'amuser. Oh, mais savez. Qu'est-ce qui tue le petit? Mais c'est l'intermédiaire. Bah voyons, bah voyons. Et votre femme, ça va? Ah, Marie-Louise. Ah. Valse de Violaine. Et la vôtre, Joséphine Bellebride. Attendez, ça ne doit pas être ça. Je fréquente beaucoup, mais j'ai pas ça. Oui, ça, je sais, vous fréquentez beaucoup, oui. Attendez. Ah! Beauharnais. Je me trompais de courroie. Hey, on rigole. Et la santé, ça va? Oh, mon pauvre monsieur, l'estomac, toujours. Les roll-mops. Oui. Ça ballonne. Ça ballonne. Ça gosse pas. Ça ne gosse pas. Je m'excuse. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous mettez la main comme ça dans le gilet? Oh, je vais vous faire rire. Non, pas vous. Ah, si. Il me manque un bouton. Dites donc. Pour les fêtes, là, il y a un ami qui m'a envoyé un mot. Qui ça? Cambronne. Je sais ce qu'il vous a dit. Oh merde, je m'en doutais pas.